Le système du complément. La voie alterne. La voie alterne utilise les quatre composants sériques suivants. C3, le facteur B, le facteur D et la properdine. Elle est indépendante des anticorps. Par conséquent, elle est considérée comme faisant partie du système immunitaire inné. La voie alternative est initiée lorsque le C3, qui est le composant du complément le plus abondant dans le sérum, subit une hydrolyse spontanée donnant la molécule C3H2O. En d'autres termes, le C3 plasmatique est continuellement clivé à faible taux, dans un processus appelé takeover. La conformation de C3H2O est différente de celle de la protéine mère. Elle est capable de se lier à une autre protéine sérique, le facteur B. Le facteur B, sous cette forme liée, devient sensible au clivage par une protéase sérique, appelée le facteur D. Ce dernier clive le facteur B, libérant une petite sous-unité BA qui se diffuse et une sous-unité BB plus grande qui reste liée au C3H2O. Le complexe composé de C3H2O, BB, est appelé la C3 convertase de la phase fluide, car il reste dans le plasma sanguin et n'est lié à aucune cellule. Dans le plasma, le C3 convertase en phase fluide clive de nombreuses molécules C3, générant les fragments C3A et C3B. Mais elle n'est pas très stable et elle se dégrade rapidement. Cependant, lors de l'infection, certaines des molécules C3B nouvellement formées se lient aux surfaces microbiennes voisines. Il est important de savoir que la molécule C3B, lorsqu'elle est clivée, subit un changement conformationnel qui va exposer une liaison thioester réactive précédemment cachée. Et via cette liaison qui réagit avec les protéines et les polysaccharides de la surface cellulaire, le fragment C3B peut se fixer de manière covalente à la surface des micro-organismes. Si ces liaisons ne sont pas formées, c'est-à-dire en absence d'une membrane activatrice, le C3B reste dans la phase fluide et la liaison thioester exposée est rapidement hydrolysée, rendant la protéine inactive. Nous continuons la cascade en cas d'infection. Le facteur B se lie au fragment C3B, qui est maintenant fixé de manière covalente à la surface cellulaire. Le facteur B est à son tour clivé par le facteur D, générant les fragments BA et BB. Ce dernier reste attaché au C3B pour former le complexe C3B-BB, qui représente la C3 convertase de la voie alterne. Il est aussi instable jusqu'à ce qu'elle soit liée par la properdine, qui est également une protéine sérique. Une fois stabilisé par la properdine, les complexes C3 convertase associés aux cellules générant rapidement un grand nombre de molécules C3B sur la surface microbienne. Et tout comme la voie classique, certaines des molécules générées par le C3 convertase de la voie alterne se lie à la convertase elle-même. Il en résulte la formation d'un complexe contenant un seul fragment BB et deux fragments de C3B, qui fonctionne comme la C5 convertase de la voie alterne. Elle clive C5 et initie les étapes tardives de l'activation du complément qui se termine par la formation du complexe d'attaque membranaire. L'activation de la voie alternative se produit facilement sur les surfaces des cellules microbiennes, mais pas sur les cellules de mammifères. Si la convertase C3B-BB se forme sur les cellules de mammifères, elle est rapidement dégradée par l'action de plusieurs protéines régulatrices présentes sur les cellules. Donc, c'est l'absence de ces protéines régulatrices sur les cellules microbiennes qui permet l'activation de la voie alterne du complément.